Nous nous trouvons à Saint-Paul-de-Vence, sur la côte d'Azur, juste à deux pas de la Provence. C'est dans ces environs que j'ai préparé ces cours de peinture pour vous. Ils s'adressent aussi bien à des débutants qu'à ceux qui souhaitent élargir des connaissances déjà acquises. Ensemble, nous allons faire un voyage baigné de lumière. Progressivement, nous nous laisserons imprégner par ces couleurs pleines de soleil qui chantent la joie de vivre. Nous trouverons tout le matériel dont nous aurons besoin chez le fournisseur spécialisé pour artistes peintres. Telle la caverne d'Ali Baba, des trésors se cachent derrière les vitrines, dans l'attente de nous dévoiler les merveilles de la créativité. René s'est installé pour peindre de façon à ce que la lumière provienne de sa gauche et que les fournitures se trouvent à sa droite. L'idéal serait de peindre à la lumière du jour, car elle restitue les couleurs avec un maximum de fidélité. Attention à la hauteur du bras. La main ne doit pas s'élever au-dessus de l'épaule. Nous allons commencer par faire connaissance avec les couleurs dont nous disposons. Ici, une feuille pour peinture à l'huile a été découpée de façon qu'elle puisse être fixée à l'intérieur du couvercle. Nous dessinerons autant de rectangles qu'il y a de couleurs dans le coffret. Le jaune cadmium est pris directement du tube. Avec un autre pinceau, nous y ajoutons du blanc de titane pour voir l'intensité du jaune. Et le plus important, c'est d'écrire à côté le nom indiqué sur votre tube de couleur, car les noms changent selon la marque du fabricant. Il est nécessaire de bien nettoyer le pinceau entre chaque couleur. J'essuie l'excès de peinture sur le chiffon, puis je le trempe dans la térébenthine, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de jaune. L'ocre jaune est une couleur opaque et stable. Le blanc nous permet de bien voir la tonalité du roux de la terre de sienne brûlée. Ici, le blanc transforme le rouge cadmium en rose. Le carmin alizarine est une couleur transparente. C'est le blanc qui va nous dévoiler la beauté de sa teinte. Chargez suffisamment le pinceau de blanc et l'ajoutez à la terre d'ambre naturelle en s'assurant que les deux composants soient entièrement mélangés. Et maintenant, un très beau vert pour les paysages et les plantes, le vert de vessie, une couleur transparente qui se refroidit avec le blanc. Le vert émeraude, également transparent, mélangé au blanc, devient turquoise, utile pour le ciel et la mer. Un magnifique bleu de cobalt, le plus lumineux des bleus. Ici, un bleu plus sombre, le bleu outre-mer. Et maintenant, le violet permanent, semi-transparent. Le blanc lui donne de l'opacité. Enfin, le noir d'ivoire, un noir noir. Toutes les couleurs ont été éclaircies avec le blanc de titane, car il est opaque et le plus couvrant des blancs. Après 4 ou 5 jours de séchage, je peux fixer la carte à l'intérieur du coffret à peinture. Maintenant, je suis prête pour commencer mon premier tableau.